Et bonjour tout le monde! Alors la dernière fois j'avais visité un petit peu le nord de l'île, de la nouvelle île. Donc j'avais remarqué ici qu'il y avait les Terres Bermeuses et qu'elle fait partie en tout cas de cette île-là. Il y en a un petit peu en nord. Je suppose que cette partie des Terres Bermeuses que je vois donc là au bord, là en haut avec les donjons un petit peu autour, je suppose que ça fait partie de la même île. Cette île pourrait être également intéressante pour que je puisse m'installer. Je pense que je vais un petit peu plus fouiller ce coin. Sur moi, j'ai pris de quoi me faire un nouveau portail. Enfin, deux nouveaux portails. Et j'irai donc en construire un par là-bas, proche des terres brumeuses. Et explorer un petit peu, voir également si je pourrais m'installer là-bas et abandonner la base actuelle que je suis en train de construire. Ici, est-ce qu'il fait jour déjà? Non, j'ai l'impression que nous sommes en pleine nuit. Non, je vais même pas aller dormir, je vais y aller directement. Je vais quand même récupérer un petit peu de bois, comme ça je peux construire une petite cabane. Sans avoir besoin de miner, enfin de miner, non, de récolter du bois. Allez, j'en prends 80, ça sera largement suffisant. Et moi, je pense que bah, c'est tout simplement parti. Ça se trouvait en haut. Il me reste combien? Il me reste 16. J'illumine un petit peu par là quand même. Il y a encore 8. Je vais en allumer un. Ben, il est là. Voilà. Et puis, c'était ici, Brume, qui me téléporte directement dans les marécages. Bien. Je vais partir directement au nord. J'ai allongé un petit peu ici. Hein. On va découvrir. Enlever un petit peu le brouillard là. Si c'est possible, évidemment. Sans trop galérer. Il m'en reste 3 de nourriture de chaque. C'est parfait. J'ai de quoi rester un petit moment. En tout cas, de quoi me faire une heure. Sans trop paniquer, évidemment, sauf si je tombe. Hein. Ce serait un peu dommage, mais bon. On a des vilains par là. Ils sont nombreux, hein, quand même. Enfin, nombreux, ils sont 4. Parfait. Allez, bah ça va être tant mieux. Il commence à faire jour. Allez, on longe tout ça. Et bah vous savez quoi? Je vais faire demi-tour. Pour quelle raison? Parce que j'ai oublié de poser le portail. Pour le lieu où je vais me diriger. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Je perds un petit peu de temps, c'est tout moi. On oublie toujours des choses ici, c'est incroyable. Alors, les squelettes. Tiens. On a quand même des drogues. Alors, c'est par là-bas. J'ai déjà plus de place. Tiens. Ah non, ça j'en ai pas besoin. J'ai dit ça j'en avais pas besoin. Allez, autant c'est faire, on va se faire un petit peu d'entraille. Pas grand chose, mais c'est toujours ça de gagner. C'est quand même assez pénible d'oublier tout ça à chaque fois. Un simple portail.
Allez, je vais vite stocker tout ça et je repars assez rapidement. Faut juste pas que j'oublie de déposer le portail, évidemment. Et du coup... ça. Et ça, et ça. Et ça également, ok. C'était là. Ça ici. Et c'est tout bon. J'attends juste les 19 minutes, comme ça je suis tranquille. Parfait. Allez. J'ai appelé le portail Brume Nord. Ça va bien. On va le poser là. Brume Nord avec un espace. Brume Nord, on est bien d'accord. C'est parti. Toujours mon bateau, est-ce qu'il a besoin de réparation? Tiens. Non, c'est tout bon. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Alors... Ah, j'ai quand même un petit bout à faire. Est-ce que... Oui, j'y allais. J'ai toujours pu avoir des tirs. Ça va m'aider. Alors, ça on va vite indiquer. Ici, c'était donc goudron. C'est la troisième, non? Troisième que je découvre là. Il va falloir que j'explore aussi un petit peu par là. Il m'a repéré. Il est en train de me chercher, je pense. Ça va, je fuis. Il y avait un village également là-bas que je n'avais pas indiqué la dernière fois, qui se trouvait par ici, je crois. Je vais pas l'oublier. Il est bien là-bas. Viens, 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 viens. J'ai pas de temps à perdre, moi. Voilà. Alors, c'est... Ouais, ça va. C'est pas un grand village, mais c'en est un quand même. Allez, on continue. Il y a 2 minutes 48, il y a de quoi explorer un petit peu. Je devrais prendre des chardons, mais bon. On verra ça une autre fois.
D'ailleurs, je me demande, oui, c'est un problème, si je vais construire une base ici, par exemple, et sur une partie des terres brumeuses, je me demande comment est-ce qu'on pourrait dégager la brume. Parce que je n'ai pas suffisamment de quoi construire enfin, la pierre là pour les feux follets. Je sais pas si on peut construire quelque chose qui supprime la brume. Sans avoir besoin de ce que loot le cinquième boss. C'est une bonne question. Ah bah tiens, ça continue quand même ici. Ah voilà, jusque là. On est à 313. Ouais, là on arrive dans les terres brumeuses vraiment. Je vais juste longer un petit peu par là. Je longe la frontière. De toute façon, si je construis une petite base, ça sera. Enfin, une petite base, un petit avant-poste. Ce sera de toute manière vers la flotte. Pour que je puisse partir avec le bateau assez facilement sans avoir besoin de traverser les terres. Ok, là c'est exploré, le brouillard est dissipé. Enfin, le brouillard sur la carte, évidemment. Je ne parlais pas de brume. Allez, 36 secondes. Juste le temps. Bah tiens, il y a des plaines là-bas. On va vite aller voir. Un petit bout de plaine. Juste ici. Alors, je vais construire par là. Voilà, juste ici, ça me paraît bien. On va bousiller tout ça, ça va me déranger. Ressuscité ou quoi? Bon, ça sera pas la peine. Construire quelque chose quand même, enfin pas d'assez grand, mais de suffisamment grand. Ok. Bah j'ai rien pour aplatir, enfin pour aplanir le terrain, bon tant pis. Donc fabrication, une petite table. Ensuite construction. Voilà. Il va me falloir. On va construire à partir de là, comme ça. Il va me falloir ça. Bon, ce sera pas très grand en fait, hein. Quelque chose de basique. Est-ce que j'ose faire ça? J'ai peut-être rien pour aplatir, enfin pour aplanir le terrain. Là j'ai ça, ok. Donc là, on est bon.
laisse tomber. Je dépense du bois pour rien, mais bon, c'est pas grave. Ensuite. Comme ça. Construction plus que basique. Là-bas, j'avais un tronc. Voilà, parfait. Faux. Et voilà, ça c'est bon. C'était quoi, Brume Nord? Qu'est-ce que j'ai fait? Il me semble que c'était Brume Nord. Voilà, j'ai eu un peu peur. La table de fabrication, on va la mettre là, on va détruire l'autre. Et puis on va faire quelques coffres. Ou alors un coffre, ça va aussi. Je vais détruire celui-là. Voilà. Comme ça, j'ai de quoi m'en faire 3. Bien plus qu'il m'en faut. Ah oui, ça. Nickel, je retourne juste à la base pour me reposer parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Il me reste 5 minutes 45. Donc avant de partir en exploration, je préfère reprendre de la nourriture et également me remettre la remise en forme. Je vais stocker un petit peu le reste. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Sauf que j'ai des conneries. Ça je vais jeter, ça je vais jeter. Et puis il y a également ça. Je vais en profiter pour réparer aussi. Pour arriver tout beau, tout propre. Parfait. J'ai perdu quand même déjà pas mal de temps. Hein. 20 minutes juste pour ça.
Ça c'était à stocker. Ouais, je peux le stocker en haut en fait. Je vais le mettre là. Ça c'est à jeter, j'avais dit. J'avais également dit que je reprenais un petit peu de nourriture. Voilà. Et j'attends la remise en forme. Et ben, c'est déjà là. Parfait. Tout est réparé, tout est ok. C'est reparti. On va bien voir ce qu'il nous attend. Ce qui nous attend dans cette magnifique terre brumeuse, dans cette magnifique partie nord de la carte. Je vais juste mettre ici. Brume nord. Ok. Feu follet. Bon, c'est un peu bête, mais bon. Au pire, je jetterai la pive. Cône de sapin. Je vais juste me resservir vite fait un petit verre de vin. Pour être un petit peu moins stressé. Ça m'aide beaucoup, mais buvez modérément, hein. Un ou deux verres de vin par soir, ça fait du bien. C'est conseillé par les médecins. Enfin, en tout cas, par certains. Pouf. Ok, allez, on y va. Quand faut y aller, faut y aller. Il va falloir explorer. Alors ici, je peux mettre ici racine. Ouais, c'est pas grave, je me comprends. Un petit peu n'importe quoi. Ici encore racine. Et puis qu'est-ce qu'on a ici? Épée ancienne. Ici racine. Juste à côté. Épée ancienne. Explorer. Qu'est-ce qu'on va croiser bientôt? Quel genre de monstre délinquant nous allons pouvoir croiser? Ah, là-bas il y a des eaux. Il y a beaucoup de racines ici, hein? Os. En tout cas, ouh! Copain, je me comprends. Oula. Ah ouais. Bon, ça va, ils sont déjà potes. Ils ont pas de vendeur, on est d'accord. Mais on peut les attaquer directement, en fait. J'ai cru qu'il allait m'attaquer. Alors, c'est vous qui êtes à l'origine de tout ce grabuge. Qu'est-ce qu'il y avait déjà tout en haut? Mais alors, par contre, les mages, ils font quand même pas mal de dégâts, ces petits salopards. Hein. Ils font quand même pas mal de dégâts. Là, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes. Il y aurait quand même pas mal de choses intéressantes à récupérer. Ça n'a pas l'air hyper dire grand chose. Enfin bon bref, en tout cas, il y a également du marbre à récupérer assez facilement si j'amène évidemment ce qu'il faut. Ah bah dis donc, vous avez tout cassé. Vous avez bien fait. Allez, je continue mon exploration. Eux, ils ne me servent à rien pour le moment. Mais ils peuvent m'être utiles, hein, en fait. Si je ramène des monstres, qu'est-ce qu'on a là-bas en bas, dis donc? Ouh, c'est quoi ça? Ça, je connais pas. Je sais pas pourquoi, mais ça sent pas bon.
Ah, quand tu veux. Il y a une entrée quelque part ou pas? Ici. Qu'est-ce que c'est? Os pétrifié, ok. Ça va, il me fait rien. Il y a pas grand monde ou c'est quoi ça? Ok, sympa. Je vais mettre copain extérieur. Je me comprends, c'est le principal. Et je continue un petit peu, je longe un peu le bord déjà. Là-bas, il me semble qu'en haut, je viens de voir quelque chose aussi. Non, c'était ça. Ah non, il y avait bien quelque chose. Bon, ils sont pas du tout méchants au début. Hein. Là, je vais mettre armure ancienne. Ok, j'ai reçu un message, je vais vite regarder ce que c'est, si c'est important ou pas, de toute façon, c'est pas important. Ok. Attention. Ici, épée ancienne, si jamais pour récupérer du fer... quand même pratique. Alors attention, là on a rien. Si, on a quelque chose là, on a les autres là. J'espère que c'est pas un soldat. Soldat, allez, vas-y, vas-y. On y va, on teste. Oh mon dieu. Pas tant de dégâts que ça. Mais plutôt résistant. Ok. Je vais m'éloigner un petit peu. J'ai le bouclier, on va tenter d'utiliser quand même un petit peu. On perd un petit peu de vie quand même. Hein. Alors 123, 122, ouais, on n'en perd qu'un seul. Oh, je te tue. Ouh. Des petits salopards. Je me demande. Oh putain. Je me demande ce qu'il donne. Ah, ok. Où est-ce qu'ils sont mes potes? Je vais juste le ramener vers les autres là-bas, donc un petit peu plus haut. Bah tiens, ici il y a quelqu'un. Salut les gars, je vous ramène un copain. Ah, ils sont quand même utiles, hein, les dvergres. C'est vraiment pénible à prononcer. Hein. Ça, un fouineur, une étoile. Dégage de là. Ouais, ok, donc le fouineur, une étoile, lui il fait mal. Lui il fait très mal. Il va falloir récupérer son corps. Et je vais devoir me reprendre un feu follet. Par contre, il va falloir que je fasse gaffe. J'espère qu'ils vont s'éloigner un petit peu quand même. Par contre, oui, ça c'est un peu chiant toujours de mourir. Puisque... par contre, j'ai plus de réserve ici. De tourte de lox. Il va falloir que je reprenne.
Où est-ce que je suis mort exactement? Je suis mort quand même assez loin, mais j'ai pas vu. Il y a pas mal de copains. Ouais, il y a un petit bout à faire quand même. Hein. Bon, c'est pas bien grave. Le feu follet, il était où? Il était là. Par contre, il fait nuit, donc je vais juste dormir un petit peu. Je préfère voir le jour par là-bas. Et je n'ai pas regardé si je pouvais construire une nouvelle armure. Je verrai ça quand j'aurai récupéré mon corps. Un petit peu plus tard, en tout cas. Pas pour tout de suite. Allez, j'ai le pouvoir des tirs si jamais. Toujours utile. Donc ces insectes à une étoile, je comprends qu'il vaudrait mieux quand même se les faire à l'arc avec les flèches aiguilles. En tout cas, je suppose. Je suis pas passé par là, mais bon, on va quand même y aller. On va y aller un peu en ligne droite. Donc mieux vaut les garder comme alliés, les dvergres. Pour commencer en tout cas. Ah bah tiens. Pourquoi pas les prendre? Alors attention. Je vais faire un petit peu de dégâts. Non, ça va. Allez, c'est dans cette direction. Encore des plantes. Ils sont juste là-bas. Ok, ça peut peut-être le faire. On va voir ça tout de suite. Ils me paraissent bien proches. Je sais pas du tout si ça fonctionne, en tout cas discrétion, je suis vraiment à faible niveau. Allez, on se barre. C'est bon, je crois qu'ils m'ont pas repéré. Allez. On se rééquipe de tout ça. Ok, on est tout bon. Je devrais juste m'assurer quand même d'une chose. Là, je vais retourner à ma base quand même. Je vais reposer le faux-follet. Pour en avoir besoin pour une prochaine mort, ce serait bête de d'avoir les deux dans mon corps. Bah tiens, encore ici. C'est que je récupère quand même pas mal de ces saloperies. Et c'est tout bon. Et je vais faire encore un petit stockage. Il va falloir aussi que je m'occupe un peu de ce feu follet.
Qu'est-ce que je dis? Non, non, pas de ces fofolates, de ces insectes. Je raconte n'importe quoi. Ça, c'est la fatigue. Tiens, je vais laisser la porte ouverte. Alors. Ça, ça va là. Ça, j'en ai pas énormément. Et tout le reste, je crois que c'est bon. Ok. Un peu de bois et puis ça également. Ok. Le faux-follet également. Et j'aimerais me reposer, réattendre les 19 minutes. Bien. En tout cas, Nimisland, ouais, il faut faire attention. Ah ouais, puis j'ai pas regardé aussi s'il y avait un nouveau stuff. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y en a. Il me semble que je vais devoir construire quelque chose de différent. Et j'ai comme l'impression qu'il va falloir que... Enfin, que je vais devoir pomper quelque chose dans les racines. Non. Dans les terres brumeuses. Il me semble que ça doit être ça. C'est un peu tout ce qu'il me manque et ça va me permettre de crafter certains objets que je n'ai pas encore. Bon, juste récupérer un petit peu mon souffle. Je devrais visiter aussi un petit peu sur la gauche là-bas. Mais je crois que j'ai trouvé le bon endroit. Mais je pense que tout ce qui se trouve un peu à distance, vraiment au bord de la map, les cartes sont plus grandes, enfin je pense, enfin les cartes, les terres brumeuses sont quand même plus imposantes. Il ne s'agit pas que de petites parties. Enfin, en tout cas, c'est une supposition. Et là, on va rejoindre les copains qui se trouvent ici. Ouh, il y a eu du combat là. C'est moi qui vous ai ramené des copains ici? Non, ça j'en doute. Oui, c'est moi, oui, si tu le dis. Toujours des accusations, hein. Je devrais récupérer aussi un peu de bois ici. Là, j'entends des choses. Ouh, ah, ok. Ouh, c'est bon. Un fouineur simple. Et l'autre aussi, je pense. Mais... Non, 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 non. Je vais pas crever encore une fois. Hein. Ça, c'est hors de question. On va vite aller rejoindre copain. Si j'y arrive, évidemment. Allez, on y croit, on y croit. Ils sont où? Un petit peu plus là-bas. Est-ce qu'il y a des copains ici? Il n'y en a pas. Ils sont un petit peu plus haut. Est-ce qu'ils me suivent encore? Il faut juste que je récupère un petit peu de ma vie. Ça fait flipper quand même, hein. Ok, c'est bon, y a personne.
C'est bon, ils sont là, les copains. Ah, si, ils sont toujours là, évidemment. Ah, il y en a un là, c'est bon, ils sont là. Ah là là, j'ai l'impression qu'ils font plus de dégâts qu'avant, hein, ceux-là. Ça là. Non, mais c'est de la pierre. Ah, regardez-moi ça, ce que je vois là-bas. Ah, il m'a repéré, le petit salopard. Viens voir par là. Est-ce qu'il m'attaque? Ah non, ça va, c'était le fouineur, ok. Oh! Il est où mon trophée? Là. Trophée de fouineur. Moins délicat qu'il en a l'air. Tu m'étonnes. Ok, bon, il était pas tout seul en tout cas, il y avait un autre copain avec lui. Ils sont plusieurs là-bas. Copain! Viens m'aider. Oh, il a pas fait long lui. En tout cas, ils vont pas m'aider longtemps. Alors là, je fais un petit peu lâche un peu au début, c'est comme ça quoi. Il est en train de fuir. Parfait, merci beaucoup. Je récupère un peu de loot. Et donc, c'était un donjon, je crois. Il y en avait encore un. C'est pas possible. Il me... Oh là là, bon. C'est pas grave. Je te ramène un autre. Vous cassez votre maison, hein. C'est au cas où, ça. Je dis ça comme ça, hein, mais... pas pour faire chier. Alors, est-ce qu'on va réussir à avancer? C'était par où? C'était par là, je crois. Ouais, c'était par là. Ouais, cette fois-ci, on va se le faire. Celui-là, il est tout seul. Viens par là parce qu'ils sont deux. C'est bon. Allez, viens. Viens, salopard. Voilà. Ouh. En fait, si je flippe à chaque fois que je me fais un fouineur, je pense que la suite va être assez compliquée. Surtout les donjons. Mais je pense que les donjons, je vais pas trop m'y aventurer tant que je n'ai pas fait un nouveau stuff. Hein. À moins qu'il faut absolument que j'aille dans un donjon pour ça. En tout cas, je les indique. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a plus loin? Ok. C'est pas un terrain très plat. Allez, on va descendre, voir un peu. On sait pas du tout dans quoi on va atterrir, mais apparemment je vois des plantes, donc ça devrait jouer. On va y aller tranquillement. Parce que là on est où? Voilà, on arrive au bord. On arrive vers la mer. La mer est juste là. Allez, encore un petit peu de plantes. Ici, on a une épée. C'est bon, je peux l'indiquer. Merci. Non,
J'ai vraiment pas de quoi faire. Quoique. Juste pour voir combien ça représente en fait une épée. Combien ça représente de ferraille. Et au final ici, on peut récupérer quand même pas mal de pierres aussi, hein. Faudrait pas que j'hésite à me faire. Ouais, ça représente pas beaucoup de ferraille. Enfin bon, bref, je disais, ouais, ça représente beaucoup de pierres en tout cas ici. Alors combien de ferraille en tout? Ah oui, bah j'ai pas de place forcément. J'ai indiqué si jamais je saurais qu'ici il y aura de quoi faire. Faudrait récupérer un petit peu de ferraille. Ici, on a encore une épée. Pour pas que je me plante. Fer récup. Là-bas, je vois quelque chose. Que ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est des copains. Ça c'est quoi? C'est où là? C'est des ruines. Où est-ce qu'il est? Bravo. T'es le meilleur, mon gars. T'es le meilleur. Je vais pas le récupérer. Ok. Donc c'est des brigands, j'ai appelé ça ruine brigand. Si un jour il me prend d'aller récupérer un petit peu de marbre comme ça facilement. Ok. Ah bah dis donc. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a un soldat. Un soldat fouineur et après c'est que des petits îlots. Oups. Pas très intéressant, je préfère continuer par là. Je pourrais pas tous les prendre de toute façon. Donc faut que je fasse attention, il m'a 5 minutes 47, là je pense que je vais me diriger un petit peu au sud. Et je vais rentrer à la base. Et il se fera l'heure également. Il me reste 10 minutes. Oui là c'est fini, il n'y a plus rien. Là, on a fouillé, ok. Alors après ça se dirige quand même un peu par là-bas, mais je pense qu'il s'agit que d'îlots. Vaut mieux aller vérifier quand même au cas où, mais ça me paraît pas très intéressant.
Bon, je peux utiliser ça maintenant. Allez, c'est parti. Bon, allez, il y a eu une mort de temps en temps, c'est pas bien grave. Ah, ça, j'ai pas, j'ai rien. Qu'est-ce que je pourrais jeter? Là, j'en ai qu'un. Bon, allez, c'est pas grave. Non, non, ça s'intéresse pas. Alors, ici, nous avons du fer. On va le mettre là. Bon, j'aurai peut-être le temps aussi d'aller voir si je peux fabriquer une nouvelle armure ou non. Mais je suis quasiment certain qu'il va me falloir autre chose. Et puis, je sais plus où j'ai foutu ce machin là pour... pour récupérer de la sève. Ça, c'est du bois. Putain, je sais plus où j'ai foutu cette saloperie. Ah, ça, c'est chiant. C'est plus là. Non, je devrais quand même le laisser là, c'est du bois. Il me reste combien? Il me reste deux esprits déchirés. Non, mais c'est pas vrai. L'arme de dragon, j'en ai encore plusieurs, mais bon, voilà. Sans déconner, où se trouve? Ah, ça m'emmerde, j'en ai récupéré un, mais je vois plus où il est. Et je sais que j'ai récupéré. J'ai pas dû le mettre là. Ah, peut-être en haut, en fait. Peut-être sur le haut. Et ça, normalement, je devrais pouvoir le fabriquer aussi, il faut le crafter. J'ai mis où? Oh, c'est pénible. Bon, alors là, je vois pas du tout. Je vais juste attendre de me remettre en forme. Voilà, merci. Et du coup, je vais aller vérifier ça. Bah, je vais juste en profiter, du coup. Comme ça, tout le monde verra mieux quand même. Oui, c'est vrai que j'avais fait du fer ici. Là, on va pouvoir réparer. Plaque, rembourrée, plastron, loup. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Du fenris, cuir, rayon, racine. L'armure de racine et racine ancienne favorise la précision du tir à l'arc. Ok. Ok, donc non, apparemment ici il n'y a rien de nouveau. Et est-ce que je peux construire, enfin crafter ce que je ne trouve pas? Ce qui a vu comme ça, ça n'a pas l'air. Là, je regarde quand même les icônes. Et ici. Je me rappelle à peu près à quoi ça ressemble, mais apparemment je ne peux pas le crafter non plus. Où est-ce que j'ai foutu cette saloperie? Ça commence à m'énerver. Ça, on va stocker. Ouais, je devrais stocker quand même là-bas. Et c'est incroyable! Pourtant, je suis sûr de l'avoir. Je suis sûr de l'avoir eu quelque part, de l'avoir mis quelque part.
Incroyable ça quand même que je l'ai pas. Bon, ah, ici non, ah, ça c'est que de la peau. Ok, bon bah je vois pas du tout. Parce que s'il n'est pas là, et s'il n'est pas là non plus, donc du coup là je vois plus. Donc voilà, tant pis. Je l'ai perdu, bah, va falloir que je me le refasse. J'ai le fer aussi à déposer. Ici, ok. Allez, on est tout bon. Mis à part ce que je n'arrive pas à retrouver. C'est quand même dingue, je suis désolé. On va juste tout s'effouiller là parce que. C'est pas la hausse. Normalement, je pensais l'avoir mis ici. Donc, non. Ce n'est pas du tout. Eh ben, moi je dis tant pis, c'est comme ça, il n'y a pas. On va faire avec. Je vais tout stocker sauf ça, je vais faire tout de suite. Et cette fois-ci, je vais m'arrêter là. Donc, pour aujourd'hui, c'était une petite exploration hein, sur la partie nord de l'île. J'ai quand même bien visité une partie. Après, il va falloir que je me dirige un petit peu dans l'est. Il va falloir également que je fouille un peu plus du niveau ouest. Parce que là, il y a quand même. Ça continue quand même un petit peu. Ou alors que je prenne le bateau. Je sais pas si avec le bateau ça fonctionne. Si je me pose avec les feux follets qui tournent autour. Ce serait pas trop mal. Très utile en tout cas. Enfin bon bref. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!